On l'a vu, que ce soit du point de vue joueur ou développeur, le marché du jeu sur Linux est confronté au paradoxe de l'œuf ou de la poule. Malgré une hausse exponentielle du nombre de jeux, le catalogue Linux reste coincé à un ratio de 20 à 25% du catalogue Windows, ce qui peut évidemment freiner la bascule totale vers Linux. Et c'est vrai que quand les 3 quarts de vos 1000 jeux sur Steam disparaissent, eh bien il ne vous en reste plus que 250 et donc vous risquez de vous ennuyer fermement. Les joueurs motivés en viennent à utiliser Wine, mais avec un support non officiel, hein, on en a déjà parlé. Ou alors ils ont un dual boot, un double démarrage avec Windows, mais il faut bien avouer que ça n'est pas très pratique sur le long terme. Du côté développeur, cette fois, la faible part de marché Linux n'incite pas à développer automatiquement une version pour ce système, et en plus, cette part de marché stagne. Alors il y a bien des possibilités de développement multiplateforme, hein, notamment aujourd'hui avec Vulkan. Mais les développeurs ne possèdent pas toujours des compétences en dehors de DirectX, alors on se doute bien qu'il va falloir du temps pour que Vulkan se fasse une petite place au soleil à la façon d'OpenGL. Avec Proton, Valve a donc choisi la stratégie de l'offre pour briser ce cercle vicieux. C'est-à-dire augmenter brutalement le nombre de jeux sur Linux. Vous pourriez objecter que sur le graphe de gauche, on voit bien que c'est exponentiel et donc déjà relativement brutal, mais on ne parle plus ici de milliers de jeux en quelques années, mais de milliers de jeux en seulement quelques mois. Et puis on va le voir, hein, Valve a bien fait les choses, hein, d'une façon assez simple et élégante pour l'utilisateur, en plus de lui apporter ces milliers de jeux. Alors comment fonctionne Proton ? Ça, c'est pas une question qui est très difficile, puisqu'il suffit d'aller jeter un œil au dépôt GitHub de Proton. Le code source est en effet disponible, hein, ce qui balaye tout de suite une question qu'on peut parfois rencontrer. Proton, c'est comme Steam, c'est un outil propriétaire. En fait, non, hein, Proton est un projet libre et son code source est donc disponible. Vous pouvez l'utiliser à votre guise, à condition, bien sûr, de respecter les licences libres. Le code est donc récupérable, modifiable et redistribuable, alors peut-être que vous n'en ferez rien, mais d'un point de vue global, ça veut dire que le code pourra se propager à d'autres projets libres ou même profiter à d'autres compagnies. On peut bien sûr penser à Good Old Games, hein, qui propose déjà de jouer à d'anciens titres grâce à Wine. On peut enfin facilement imaginer que les améliorations apportées à Proton profiteront rapidement à la branche standard de Wine. Alors, sans surprise, on voit que Proton repose fortement sur Wine, on l'a déjà dit, Valve a collaboré pendant 2 ans avec Codeweavers, l'acteur majeur du projet Wine, mais on peut aussi voir un paquet d'autres projets libres impliqués. Par exemple, SDL pour les entrées-sorties, DXVK, VKD3D, on en a déjà parlé, FFmpeg pour le traitement des flux vidéo, OpenL, FAudio pour la gestion de l'audio, FreeType, etc. On ne va pas tous les citer, mais on pouvait quand même noter à l'origine la présence de MoltenVK, une API de traduction Vulkan vers Metal, donc pour macOS en fait, mais elle a un petit peu disparu dans les profondeurs de l'arbre Git depuis. Alors est-ce mieux que Wine ? Dans l'absolu, on peut répondre que oui, Proton va introduire plusieurs différences avec Wine, dont certaines semblent quand même essentielles. D'abord, le support officiel de la part de Valve pour les jeux de la liste blanche, hein, liste qui est encore, il est vrai aujourd'hui, limitée, mais qui devrait grandir assez vite. Effet collatéral, les achats Proton sont comptabilisés comme des jeux Linux, hein, y compris pour les jeux non officiellement supportés, ce qui permet à la plateforme de devenir quand même un peu plus visible pour les développeurs, c'était pas le cas avant avec Wine. On a ensuite une inclusion au client Steam qui va éviter de jongler entre les clients Linux et Windows, on l'a déjà dit. Et puis enfin une amélioration des performances grâce à Vulkan et à divers patchs comme par exemple eSync qui permet de mieux gérer le multithreading, c'est-à-dire l'exécution d'instructions parallèles sur un même cœur. En clair, bah, votre processeur est mieux utilisé. On peut enfin ajouter une amélioration des fonctionnalités comme le support du plein écran ou encore celui des contrôleurs, hein, qui à la limite pourra même être meilleur que la version Windows originale. Hein. Ça c'est une caractéristique qui est assez intéressante. Faut-il du matériel spécifique ? Pas vraiment, dans le sens où Proton fonctionne aussi bien sur Nvidia, AMD qu'Intel. Il faut en revanche que votre carte graphique supporte Vulkan, ce qui va exclure les plus anciennes.
Alors si on jette un œil sur les listes des constructeurs, on voit par exemple chez Nvidia que les cartes après l'architecture Kepler fonctionneront. Ça donne en vrac des cartes depuis les petites GT 635 jusqu'aux récentes RTX 2080. Chez AMD, il faudra au moins une architecture GCN dans laquelle on va notamment retrouver les très bons APU de la série Ryzen. Enfin, pour les puces Intel, il faudra au minimum une architecture de type Ivy Bridge. Pour faire simple, il faut en gros une carte de moins de 6 ans. Bref, les vieilles cartes ne fonctionneront pas, à vous de vérifier, mais j'imagine que si vous êtes un joueur régulier, vous avez une machine quand même qui est plus ou moins à jour. Bien que ce ne soit pas obligatoire, Valve recommande aussi d'installer des pilotes suffisamment récents. Il s'agit en fait de respecter les versions conseillées pour DXVK. Sur AMD Intel, bah c'est facile, hein. Il faudra simplement au minimum du Mesa 18.2 et sur Nvidia, il faudra passer par les pilotes propriétaires GeForce 396-54. Au niveau logiciel maintenant, faut-il des logiciels spécifiques? Suis-je par exemple obligé d'utiliser SteamOS? Alors non, hein, Proton n'est pas limité à SteamOS puisqu'il est inclus au client Steam. Vous pouvez normalement déjà le tester avec la version stable de Steam, hein, il n'y a même plus besoin de choisir la version bêta du client, sauf si bien sûr vous voulez les dernières fonctionnalités. Il faudra des pilotes adaptés également, on vient d'en parler, pensez à mettre vos pilotes à jour si votre distrib date un peu. Vérifiez également que votre distribution propose bien Python 3 car Proton en a besoin. Et puis enfin, si vous venez directement du monde Windows, vérifiez les droits d'accès si vos jeux sont sur une partition NTFS. Pour vérifier ça, c'est pas très compliqué. Vous lancez Steam dans un terminal, hein, vous tapez juste Steam dans une console, et vous devriez voir apparaître des erreurs sur les dossiers NTFS, hein, ça va simplement vous signaler que vous n'avez pas les droits suffisants sur le répertoire du jeu. Mes jeux fonctionnent-ils sous Proton? On en arrive aux questions intéressantes. Imaginons que vous ayez 400 jeux, la moitié fonctionne sur Linux en natif. Bah, coup de bol, c'est quand même pas mal, c'est plutôt un quart en moyenne. Mais qu'en est-il du reste, les 200 que je ne peux pas toucher sans faire un dual boot ou utiliser une machine virtuelle? Alors, on l'a dit, il y a peu de jeux officiellement supportés, autour d'une centaine aujourd'hui, mais il existe en fait beaucoup de jeux fonctionnant de façon non officielle. Il existe des listes et différents sites qui répertorient les gens tournant ou pas sous Proton. Les gens tournant sous Proton, hein, non, on n'est pas en train de parler d'une nouvelle drogue, hein, les jeux, bien sûr, hein. Alors, ces listes sont bien sûr encore incomplètes, le système vient d'arriver, mais on parle maintenant non plus d'une centaine de jeux, mais de plusieurs milliers de jeux, ce qui laisse quand même augurer une croissance de type exponentielle dans la liste blanche de Valve. Vous pouvez par exemple consulter ProtonDB qui recense aujourd'hui plus de 7000 jeux, hein, ça aura sûrement bien augmenté au moment où vous regardez cette vidéo, la liste augmentant très très vite chaque jour. Une partie non négligeable est en plus notée en platinum ou en gold, hein, le site reprend en fait les notations de WineHQ dont j'ai déjà parlé dans la première vidéo. En clair, ça veut dire que vous cliquez, vous jouez, il n'y a vraiment rien à faire. D'une façon plus anecdotique, on trouve également des curateurs Steam qui vont tester les jeux sur Proton. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, hein, ça vous permet de profiter de ces tests en utilisant les filtres Steam avec les mots-clés associés. Est-ce que tout cela est stable? Alors, a priori, tout cela semble effectivement pas mal stable. Alors, pas mal stable, c'est pas un terme ni très scientifique ni très rigoureux, hein, c'est vrai. Pour être clair, il faut donc séparer les jeux avec ou sans support officiel. En fait, le système doit bien sûr être stable pour les jeux officiellement supportés, mais pour les jeux non officiellement supportés, évidemment, parmi ces tests qui sont faits par des gens comme vous et moi, on n'est pas toujours certain que les gens ont joué assez, terminé le jeu, testé les modules additionnels, les contenus téléchargeables, etc. Mais en tout cas, c'est déjà un très bon signe, et on peut donc avancer sans trop de risques que la probabilité de stabilité est élevée, hein, je ne peux pas vous fournir mieux comme information. Le projet est toutefois encore en phase bêta, c'est un projet encore jeune, donc vous pouvez rencontrer malgré tout des petits problèmes avec les jeux inclus dans la liste blanche. Si on regarde sur GitHub, on peut voir qu'il y a pour l'instant encore quelques tickets ouverts concernant des bugs Proton sur les jeux de la liste officielle, qui même s'ils sont mineurs, bah ça reste quand même des bugs qui ne sont pas présents dans la version Windows originale. Comment utiliser Proton? C'est maintenant que vous êtes content d'être venu, accrochez-vous, vous allez voir, ça va aller très 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 vite.
Les jeux officiellement supportés ne nécessitent aucune autre action que celle d'installer le client Steam et de cliquer sur jouer. Voilà, ça c'est fait, vous êtes donc content d'être venu et de vous être tapé 20 minutes de palabre. Pour activer Proton pour tous les autres titres, c'est pas très dur non plus, il suffit de cocher une case dans le client Steam, on redémarre et puis voilà. Alors on peut faire un petit test sur Sonic apprend le code de la route. Hein. Et oui, Sonic doit avoir son permis s'il veut décrocher un CDI chez Sega. Bon, c'est un petit jeu, ça va aller assez vite à charger, donc c'est pratique pour tester très rapidement Proton. Il faut activer l'utilisation pour tous les titres, hein, puisque ce jeu n'est pour l'instant pas officiellement supporté. Et puis après, a priori, eh bien, il n'y a rien à faire. Voilà, ça démarre. Ah, déjà un petit problème de police qui peut expliquer que le jeu n'est pas noté en platinum. Ah, et puis aussi également un petit problème pour régler la résolution. Il faut taper directement dans le fichier de config. On ne peut pas faire ça directement dans l'interface, mais à part ça, ce jeu fonctionne parfaitement. Donc voilà, hein, les amis de Sonic sont tous des pros du volant. On va accélérer un petit peu. Hein. Ouais, alors en fait non, hein, on va peut-être ralentir un petit peu parce que Sonic sous Helium, je sais pas pour vous, mais moi ça me file un peu de tachycardie, voilà. Voilà donc Sonic avec sa voiture assortie à ses cheveux ou à ses piquants, on sait pas trop, ainsi que plein de Monsieur Lapin en tribune. Bon, c'est la première fois hein, que je joue à ce jeu, donc ça va pas être terrible terrible. J'essaie de ne pas tuer, bah voilà, de ne pas tuer Sonic, on n'est pas aux 80 km/h. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ouais, d'accord. Alors c'est vrai que là, en plus je joue au clavier, donc c'est vrai que j'aurais peut-être pu tester les manettes. Hein. Bon, on voit bien qu'il n'y a pas de problème. Hein. Et puis surtout, le jeu s'installe vraiment sans rien faire. Hein. Ce que je disais, vous cliquez, vous jouez. Alors on en revient aux questions, est-ce qu'il y a des limites à ce système? Alors la première limite, la plus évidente, c'est quand même que les performances vont être en général en deçà de la version Windows, hein, même si on a quelques cas particuliers où la version Linux va tourner à l'identique, la version Proton d'ailleurs, hein, plutôt. On a même certains utilisateurs qui rapportent des versions Proton qui tournent mieux que la version Windows, mais pour l'instant, il faut bien dire que ça reste marginal. Alors le deuxième point qui est peut-être plus problématique, ce sont les systèmes anti-triche comme BattleEye ou encore les DRM, hein, la gestion des droits numériques, dont sont affublés quand même pas mal de jeux AAA. Et tout ça pose de gros problèmes à Proton, même si apparemment Valve travaillera actuellement à une version qui permettra à Proton de gérer ces systèmes. Hein. Mais évidemment, hein, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a rien de disponible. Et puis enfin, on l'a déjà dit, hein, le système étant assez jeune, attendez-vous de temps en temps à rencontrer quelques bugs mineurs. Quelles vont être les conséquences négatives ou d'ailleurs positives pour les jeux sur Linux? Alors, c'est encore difficile à dire, hein, on est sur le court terme, et donc à la place d'analyse, on tombe un petit peu dans le domaine des hypothèses et des suppositions. La première, la conséquence la plus évidente, bah évidemment, c'est que le nombre de titres jouables simplement sur Linux et sur SteamOS avec un support officiel, eh bien, il a quand même violemment augmenté avec Proton. Mais vous n'aviez sans doute pas besoin de cette vidéo pour assimiler l'information. Plus pervers, on a déjà pu observer quelques effets négatifs directement liés à Proton. Transhuman Design, la compagnie développant Butcher, hein, le jeu de bourrin, là, a enlevé la version native de Linux en précisant avoir demandé à Valve d'être mis sur liste blanche.
La raison est un peu curieuse. Il s'agirait d'un problème après une mise à jour du moteur Unity qui, il est vrai, a quand même eu des problèmes récemment avec la version Linux. On sait par exemple que des jeux comme Rust ont aussi souffert avec Unity. Il est difficile également de savoir s'il s'agit d'une facilité permise désormais par Proton ou d'une vraie difficulté côté développeur. Alors les gens de Transhuman Design ont d'ailleurs nuancé leurs propos. Il s'agirait d'utiliser Proton uniquement le temps que le problème de la version Linux soit résolu. C'est quelque chose qui semble quand même assez plausible, mais les critiques vont déjà à bon train, accusant Proton d'aspirer les développeurs vers le moindre effort. A noter enfin qu'on peut désormais forcer Proton avec l'option Force Compatibility Layer, pour l'instant c'est en bêta, même sur des jeux possédant un client natif, et ça c'est quand même une option qui est assez curieuse. Et justement, à propos des jeux en natif, est-ce que Proton ne va pas un peu ruiner ce genre natif? Est-ce que des boutiques comme Feral, Aspyr ou Virtual Programming vont souffrir? Encore une fois, c'est pour l'instant un peu difficile de répondre, on est toujours dans le domaine de la supposition. Pour l'instant, seul Feral Interactive a communiqué sur le sujet. Ils ont simplement annoncé que Proton ne changeait absolument rien à leur activité de portage vers Linux, et ça, bon, c'est quand même déjà assez rassurant. Du point de vue du joueur, c'est-à-dire vous et moi, si vous êtes ici, on en revient cependant encore une fois à la qualité de ces portages. Les portages de ces compagnies interviennent en général au niveau du code source, ce qui n'est pas le cas de Wine, qui agit plutôt au niveau du code compilé, du binaire, et en général, ces portages sont aujourd'hui plus efficaces que Wine. Si vous regardez un portage comme Witcher 2, réalisé par Virtual Programming, après des débuts un peu difficiles en phase bêta, cette version est maintenant à quasi parité avec la version Windows. On devine quand même que ça va être difficile de dépasser ce genre de performance, au moins dans un premier temps. C'est vrai que c'était peut-être un peu moins flagrant sur les premiers portages de Feral qui, au début, il faut bien l'avouer, n'étaient pas très très bons. On sait par exemple que Shadow of Mordor ne tourne pas très bien sur Linux. Par contre, si vous comparez par exemple à F1 2017 ou Rise of the Tomb Raider, ces portages sont désormais très performants et j'essaierai sans doute de faire le test, mais la version native tourne sans aucun doute beaucoup mieux que la version Proton. Et d'ailleurs, en creusant un petit peu sur le web, on trouve déjà des tests Proton natif et il semble que la version native, le portage de Feral, puisque l'aspect natif est toujours un peu débattable, il semble que cette version tourne 20 à 25% mieux que la version Proton. C'est pas si étonnant que ça. Un des développeurs de Feral avait précisé qu'au-delà de leur système de traduction DirectX Vulkan, qui je crois s'appelle InDirectX, ils optimisaient aussi certaines parties au niveau du code source. C'était le cas par exemple pour Rise of the Tomb Raider, certains utilisateurs rapportant même des performances supérieures à la version Windows. Donc là, encore une fois, on se doute bien que la version native sera vraiment difficilement dépassée. Allez-y chez Feral, continuez de nous faire rêver, surtout que ça n'a pas toujours été le cas avec les premiers portages. En bref, si vous optez pour le maximum de performance, ces portages devraient quand même rester les meilleurs. Et puis enfin, on peut même se dire que l'existence même du système Proton va désormais fixer une barre minimum sur la qualité des portages de jeux sur Linux. Évidemment, si une compagnie sort des portages moins performants que Proton, l'intérêt devient aujourd'hui avec le support officiel très limité. Alors voilà, on arrive au bout de ces trois vidéos, j'ai quand même pas mal parlé sur le sujet. J'essaierai peut-être d'y revenir encore, mais cette fois uniquement avec des tests comparant version Proton avec la version native.